si tu devais camoufler un meurtre, comment procéderais-tu? Et doucement, moi je regarde trop de trucs chelous, hein, arrêtez. Arrêtez, arrêtez, on va dire rien, on va m'inculper pour des trucs là, les gars, désolé, je vais pas répondre. Est-ce que tu es prêt pour la deuxième partie? I'm ready. Donc la deuxième partie, c'est un questionnaire sur le championnat belge. Donc en gros, je te posais une question. Soit tu connais la réponse directement, soit je te donne quatre propositions et tu choisis. Ça va? Vas-y. Donc la première question, c'est qui a été champion de Belgique l'année passée? Ouais, c'est juste. Qui a été le meilleur buteur de la compétition précédente? C'est un tricheur, hein, c'est Herbaoui. C'est Herbaoui, c'est juste. Pourquoi c'est un tricheur? Il a joué contre nous, il a tiré des pénaltys. Il a marqué des pénaltys. Et lui, tu vois, dans la compétition régulière, il est toujours deuxième, tu vois, meilleur buteur. Et quand il arrive en playoff 2, parce que son équipe joue en playoff 2, là, il aligne les buts, tu vois. Il joue contre des équipes de D2, il joue contre des équipes de bas de tableau, et là, il aligne, tu vois. Et les autres qui jouent en playoff 1, ils ont, tu vois, ils jouent des matchs compétitifs, il n'y a pas de grand écart de score. Et des grands scores, tu vois, des gros scores, tu vois. Donc. Mais bon, bref. Ok. Alors, bah oui, félicitations. Question suivante, qui a été le meilleur donneur d'assist? Je sais. Attends, hein. Vormer? Non. Kaya? Non. Non, Kaya, il était pas en. Non. Pozuelo? Non plus. Lui, ça s'est arrêté parce qu'il est parti jouer en Amérique. Hein. Ouais, mais donc c'est pas lui. Meilleur donneur d'acier. Ah, l'autre là, Vanaken. Ouais, c'est juste. C'est lui, ouais. Je pense que c'est 17 à 6 qu'il a fait l'année passée. Lui craint. Mais lui, tu sais que lui, depuis ma première année en pro, au début, il ressemblait pas à grand chose, mais son niveau technique, c'était. Moi, c'est le premier joueur où je me suis dit non, il est chaud et on le sait pas encore. Tu ouais. vois Parce que les joueurs qui sont forts, tout le monde le voit à la télé, tu vois. Mm-hmm. Mais les joueurs qui sont forts, que les gens ne savent pas, il y en a quelques-uns quand même. Okay. Et lui, franchement, ouais. À l'époque, hein, j'avais dit ouais, non, c'est un terrible joueur. Et même Yannick l'avait dit. Il a dit lui. Et la preuve, 2 ans après, il a gagné 2 fois le soulier d'or. Ok. Calmement. Ouais. Et qui a remporté la Coupe de Belgique cette année-là? Donc l'année passée. Malines. Ouais. Ah. C'était. Je crois que c'est une des premières fois qu'un club de Division 2 gagnait la Coupe de Belgique. Ça, c'est pas un club de Division 2, ça, Malines. Ouais, mais. quelle équipe a le stade avec la plus grande capacité, donc il peut recevoir le plus de supporters? Je veux rien savoir, je veux dire Standard de Liège. C'est juste en plus. Ah, c'est vrai? Ouais, bah d'après Wikipédia en tout cas, c'est juste. C'est plus de 30 000. Je sais pas. Bah ouais. Et Bruges, ça a l'air plus grand, non? Bah oui, mais apparemment, d'après Wikipédia, il y a plus de place au Standard qu'à Bruges donc. Si jamais je me trompe, un supporter de Standard ou de Bruges, vous pouvez le dire en commentaire. Mais. On s'en fout, Standard c'est mieux. Ok. Quel club a le record de titres en Belgique? Allez. Beveren? Anderlecht, t'as qui d'autre? C'est vrai, c'est juste. Avec 34 titres de champion de Belgique. Dans quel club a été formé Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois? Respecte un peu quand même, hein. Allez, quoi. Gank. Faut un peu des questions faciles. Hein. Ouais. Mais De Bruyne, à l'époque, je regardais pas trop le foot. Enfin, j'ai jamais regardé beaucoup le foot, tu vois. Mm-hmm. Moi, je regardais plus. Comment dire, les grands événements ou bien les joueurs individuellement, tu vois. Je regardais pas vraiment le foot. Je suivais pas le foot comme ça, tu vois. Et De Bruyne, je l'ai vu sur une vidéo, il a mis un contrôle de balle. Je sais que j'ai jamais vu ça encore dans le foot.
Il est... Il a donné un long ballon. Il a contrôlé en porte-manteau. Et maintenant, le temps que le ballon... le temps qu'il contrôle en porte-manteau, il est passé un peu devant le ballon, tu vois. Ouais. Il a mis une talonnade au-dessus du défense du gars qui était devant lui. Ouais. Tu vois, donc contrôle, paf. Mais en deux touches sur un dégagement. Hein. Il est trop chaud. C'est là que j'ai dit d'accord. En Belgique, il y a quand même des joueurs. Ils rigolent pas. Ils rigolent pas, ouais. Et puis la preuve aujourd'hui, c'est dit. Ouais. Il est chaud, il est vraiment très très chaud. Ouais. Et à l'époque, je crois qu'il jouait sur le flanc, tu vois. Ouais, tu penses bien, ouais. Ouais. Non, franchement. J'avais vu que techniquement, il était lourd, lui. Ok. C'est comme ça que je l'ai connu, c'est pour ça. Et puis Courtois, les gens ont tellement fait de bruit que. Ouais. T'as entendu. Mais il y a eu son coach aussi qui était venu au Standard, tu vois, donc je savais qu'il était de gang. Mmh. Ok. La question suivante, c'est quelle équipe a remporté le plus de Coupes de Belgique ? Plus de Coupes de Belgique ? Proposition ? Anderlecht, Bruges, Standard ou Genk ? Bruges. Ouais, c'est juste avec 11 Coupes de Belgique. Quel joueur a effectué le plus de matchs dans le championnat belge? De Skakt. Ouais, c'est juste. Yeah. Je pense que c'est 670, je pense. J'ai plus le chiffre en tête, mais... Il allait dire De Skakt ou bien Simons. Mais Simons, il a joué en Hollande, quoi, non? Ouais, il a joué beaucoup à l'étranger, c'est pour ça que... Lui, c'est le joueur le plus vieux qui a joué dans la compétition belge. Mais De Skakt, c'est le plus de... Le plus vieux? Il avait quel âge? Je sais pas, mais le dernier match qu'il a joué, et je pense qu'il est... Je sais pas quel âge il avait, mais bref, c'est lui qui a le record de vieux. Et De Skakt, s'il continue cette saison-ci, il pourra le battre. Voilà, pour l'anecdote. Ok. Bonne hygiène de vie. Ouais, il déterre. Quel est le nom du sponsor qui est dans l'appellation du championnat belge? Jupiler. Ouais. Parfait. Bah parfait, je pense que t'as qu'à dire tout juste. C'est en blague. Bien joué. Donc on va passer maintenant à la partie numéro 3. Donc la partie numéro 3, c'est des questions un peu plus courtes. Donc tu me réponds en quelques phrases, vite fait. Ouais. Ça va? Est-ce que tu as une routine de préparation avant une compétition? Ou un rituel? Avant le match? Ouais, avant le match, ouais. Oui et non. Elle peut changer, tu vois. Par exemple, ça dépend comment on fonctionne. Par exemple, au Standard et ici à Beveren, c'est pas le même ordre de choses avant les matchs, tu vois. Mm-hmm. Au Standard... J'avais ma routine à domicile et à l'extérieur aussi, tu vois. Okay. Parce qu'à domicile, on a des outils de travail qu'on n'a pas à l'extérieur, tu vois. Mm-hmm. Tu veux que je te donne la dernière actuellement ou bien je te donne les trois? Tu peux me donner celle... Ouais, les trois, vas-y. C'était chaud. Donc au Standard, en pro, mm-hmm. J'arrivais dans le vestiaire. Donc on dormait à l'hôtel, tu vois. Ouais. On dort à l'hôtel, il y a théorie, puis t'arrives au vestiaire. Tu fais ta journée normalement, etc. Tu dors, etc. Tu te prépares, je regarde des films, etc. Je prie. Puis après, on va à la théorie. Arrivé à la théorie, il nous dit l'équipe qui commence, etc. Il nous parle, ta. Puis après, on prend le car, on va au terrain. Mm-hmm. Enfin, au stade. Arrivé au stade, donc j'arrive. J'ai mes écouteurs. Je m'assis. À l'époque, je sais que j'allais voir le terrain. J'allais voir le terrain, je montais juste sur le terrain, peut-être 30 secondes, je regarde l'état du terrain, puis je retourne dans le vestiaire, j'ai mes écouteurs, là je parle à personne, je m'habille, je mets ma tenue d'échauffement, puis je ferme mes tapes, ouais. Parce que moi j'ai les cheveux fragiles, comme je dribble beaucoup, j'ai les cheveux fragiles, je prends beaucoup de coups, tu vois. Ouais. Je fais mes tapes, quand je fais mes tapes, là-bas à l'époque je mettais mes chaussures dans le sauna, tu vois, pour que mes chaussures soient souples, tu vois. Puis après, je m'échauffe, je m'ambiance avec la musique, tu vois, je relâche la pression,
bam bam, puis après je mets mes chaussures, puis c'est parti. Avant de monter sur le terrain, ce que je fais, c'est que je monte du pied droit, je fais 9 pas, et puis je change de, je casse, et puis je change de rythme. Et puis voilà, c'est. Mais ça sert strictement à rien, hein. C'est juste C'est dans ma que tête, tu vois. ouais. Enfin, c'est juste histoire de faire la même chose, tu vois. Mais ça sert à rien du tout. C'est juste un drill, tu vois. Mais d'ailleurs, la preuve, c'est que je les change, tu vois. Le sauna, je ne l'ai pas à l'extérieur. Donc, à l'extérieur, je faisais pratiquement la même chose, sauf le sauna. Maintenant, ici. Ah oui, je vais m'isoler quand même pendant 2-3 minutes. Toujours, ouais, je m'isole. Ça, c'est quelque chose que je fais parce que j'ai besoin pour me concentrer, tu vois. Je m'isole 2-3 minutes. Et puis, s'il n'y a pas de place pour s'isoler, je vais aux toilettes, tu vois. Je vais aux toilettes, m'isoler 2-3 minutes. Et ça, ça c'est quelque chose que je fais tout le temps depuis que je suis petit. Parce que me concentrer, c'est important. Sinon, moi, j'y allais pour m'amuser. Non, on n'est plus là pour s'amuser. Donc, on va être constant. Tac, tac, boum. Et puis, tu vas. Ouais. Et puis aussi, pour éviter le bruit, là-bas, je fais prier tranquillement. Bah ouais, Tu c'est vois. sûr. Ouais. Ok. Je prie tranquillement et puis j'y vais. Bon, les trucs indispensables avant que je joue, sans compter les pieds droits, machin, les bêtises là, c'est la prière et la concentration. Après le reste, voilà. Ok, parfait. Est-ce que tu as déjà un meilleur souvenir dans ta jeune carrière? Meilleur souvenir. Ouais, si tu devais sortir un seul souvenir, lequel ce serait? La Coupe de Belgique qu'on a gagnée. Et mes buts, hein. Et tes buts, ouais, il n'y a pas un but en particulier. Si, je crois quand même au standard parce que ma famille elle était venue me voir, tu vois. Et moi, quand ma famille elle vient me voir, ça, je sais pas ce que c'est, mais ça me donne un truc en plus tout le temps depuis que je suis petit. Depuis que je suis petit, c'est comme ça. S'ils venaient me voir à des tournois, par exemple, j'allais être meilleur joueur. Tu vois, si ma famille elle est là, en vrai, je joue pas tout seul, tu vois. Ouais, t'as une force en plus. Ouais, si je fais un dribble, ils crient, ils sont contents, moi ça me fait rire, alors je continue. Et puis là, contre Macron, j'avais marqué, mon père était venu, ma mère aussi était là, mes petits frères, ma petite soeur, mon oncle, enfin, il y avait tout le monde, tu vois. D'ailleurs, quand j'ai célébré, je suis allé chez eux, j'ai pris un carton. Bravo. Ouais, et à cette époque-là, je vivais avec Fadel. Et Fadel aussi, c'était son premier banc. C'est la première fois qu'il est monté sur le terrain aussi. Ouais. Et ce jour-là, c'était la date d'anniversaire de ma copine aussi. Ah ouais, donc c'était vraiment le jour, quoi. Ouais, c'était le jour. Ouais, c'est vrai que ce jour-là, le 27 décembre. Ouais, c'est un bon jour pour. Mais en fait, c'est parce que c'est pas que pour moi, tu vois. C'est pour mes Ouais. proches et moi. Alors ça fait beaucoup d'émotions quand même. Ok. Mais la Coupe de Belgique, c'est un truc dans ton palmarès qui va jamais partir. Même si j'ai pas pu la jouer, tu vois. On a travaillé pour arriver jusque-là. Ça m'a fait mal hein, de pas la jouer, mais bon. Au moins on a gagné, tu vois. Si j'avais pas pu jouer, qu'on avait perdu, t'allais te dire, tu vois. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Est-ce que t'as un pire souvenir à l'inverse? La blessure pour la finale. Ah ouais, forcément. Bah La blessure pour la finale. En fait, c'est les blessures, en gros. Parce que celle-là, c'était pas une blessure musculaire ou quoi, c'était un contact. Tu vois, on jouait parce qu'avant les matchs, on fait des petites oppositions. Et on faisait une petite opposition et avec des appuis, tu vois. Et moi, j'allais faire une bête passe sur un appui. Tu vois, les goals étaient à ma droite et à ma gauche. Et moi, j'étais appuyé vers le goal, la gauche, je crois, à ce moment-là. Ouais. Et j'allais juste mettre la passe à l'appui pour après pouvoir me recentrer vers le goal, tu vois, parce que j'étais mis de trois quarts, tu vois. Et donc, j'avais pas vu sur le goal et on avait un nombre de touches limité. Donc je contrôle et je vais mettre sur l'appui. Et quand je fais la passe, il y a un joueur, il m'écrase la cheville. Mais quand il m'écrase la cheville, ça fait paf. Et comme je veux rééquilibrer dès que je sens que ça va partir, parce que j'avais les chevilles fragiles, déjà ça, je savais. Je veux rééquilibrer et ça part totalement de côté. Donc interne, externe. Je me dis non, 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 je vais jouer. Et je continue à courir. Je continue à courir. Mais je sens. Quel gonfle, tu vois. Tu sens que ta chaussure, c'est comme si ta chaussure elle se resserrait.
Alors que c'est ta cheville qui gonfle, tu vois. J'arrive chez les kinés, j'appelle mon père et tout. Il vient me voir à l'hôtel et tout. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va aller? Frère, le temps que je laisse mon pied vers le bas ou quoi, là, c'était terminé. Chaud, quoi. Après mon premier match pour Roda, je sors du standard. Enfin, je me sens un peu libre. Parce que là-bas, je me sentais comme en prison, tu vois. Je me sens un peu libre, j'arrive, je me prépare, je me prépare. La veille du match, mon corps me lâche. Tu m'as jamais lâché, mais tu me lâches aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Tu Ouais. vois. Ça peut pas être On facile. a attendu ça pendant je sais pas combien de temps, et toi, tu veux me lâcher là. Sais pas, je comprends pas. C'est chaud. Est-ce que tu as d'autres hobbies ou loisirs que le football? Je fais de la boxe, j'aime beaucoup la boxe. J'ai commencé ça à l'internat, j'avais quel âge? 16 ans? Non, 16, 17 ans? Je sais plus. À la base, je faisais de la corde à sauter et il y avait un boxeur dans mon internat. Et moi, je faisais ça pour la vivacité des jambes, tu vois, la corde à sauter. Et boum, lui aussi, il en faisait, tu vois, mais lui, c'était un boxeur. Ouais, tiens-moi les pas-hauts un peu. Puis j'ai tourné les pas-hauts, pam pam. Puis non, fais comme ça, fais comme ça. Puis après, il avait besoin d'un sparring partner. Enfin, en fait, il avait envie de me. Tu vois, il avait envie d'apprendre à quelqu'un quelque chose, tu vois. Et au final, moi, ça m'a piqué. Et puis voilà, boum. Mais j'ai fait beaucoup de sport. Hein. J'ai fait. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait du basket. Même à un moment, j'hésitais entre faire du foot et du basket. Ah ouais. J'étais bon aussi au basket, tu vois, mais. J'étais bon, mais le foot c'était instinctif, tu vois. J'avais pas besoin de réfléchir. Donc après, j'ai fait du foot. J'aime bien tout ce qui est sport, tu vois. Sauf la natation. J'aime pas. Je sais nager, tu vois, mais ça me plaît pas plus que ça, tu vois. J'aime bien les sports de raquettes aussi. Je suis bon au ping-pong. Tennis, un peu moins parce que, ouais, c'est dur, hein. Mais je suis bon au paddle. C'est ce que j'ai dit, paddle? Ouais, je vois ce que c'est. Là, je suis bon par contre. Je sais pas pourquoi. Mais après, le tennis, j'ai fait quand j'étais plus jeune, tu vois. Ouais. Enfin, j'ai essayé, parce que j'avais un ami qui faisait tennis. J'avais essayé, mais c'est trop compliqué. Et puis maintenant, là, récemment, j'ai fait du paddle. Moi, j'ai découvert le paddle en étant adulte. Hein. On était parti en stage en Espagne. En Espagne, c'est plus réputé le paddle, tu vois. J'avais déjà vu à la télé, mais je me disais, ça doit être trop bien, j'aimerais bien essayer. Et cette année, on a essayé. Ça veut dire que, ouais, je me débrouille pas mal. Bah, Ouais. Et puis j'ai là, ouais. J'aime bien les vêtements aussi. la mode. Ouais, ça j'aime bien. Donc la partie suivante, Benny, c'est des questions des supporters, des internautes. Donc j'ai sondé ma communauté et donc ils m'ont soumis des questions à te poser. Donc la première question, si tu dois choisir un championnat ou un club où tu aimerais vraiment bien jouer. Ce serait. Moi, ça, c'est des questions trop difficiles. Moi, c'est un style de jeu que j'aime bien, tu vois. Moi, j'aime bien quand ça joue au foot. Pam, pam, quand ça joue au sol, vite, tu vois. Tac, 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 tac. C'est ça que j'aime, tu vois. J'aime bien quand c'est technique. Après, tu peux trouver une équipe comme ça partout. Ici, en Belgique, il y avait Genk qui jouait comme ça. Avec Pozuelo, etc. Tu vas en Allemagne, il y a Dortmund. Il y a Bayern. Tu vas en Angleterre, il y a City. Liverpool, c'est pas aussi. Ouais, Comment dire? c'est plus différent quoi. Ouais, c'est pas aussi chirurgical que que City, mais tu peux qu'aimer, tu vois. Après, voilà, Leicester aussi, j'aime bien. En Espagne, à part ça. Enfin, en Espagne, c'est toutes les équipes, tu vois. Ouais. Parce qu'en Espagne. Tu peux dire, quand tu les vois comme ça, quand tu vois le Bar jouer contre le Barça, tu les vois jouer contre le Barça, tu te dis waouh, le Barça sent vraiment fort. Après, si je joue contre Celta Vigo aussi, voilà, c'est le football qu'ils jouent, c'est exagéré. C'est chaud. C'est trop beau. Ouais, au Portugal aussi, ils jouent un beau football. Après, j'aime, tu vois, moi, il me faut juste du foot au sol, qui joue vite, technique, et puis après, je serai content. Ok. J'ai pas de club ou de championnat.
Ouais, ça va. Mais après les championnats que j'aime bien l'Allemagne. Je sais pas pourquoi j'aime bien l'Allemagne. L'Angleterre, c'est comme tout le monde. Et l'Espagne, parce qu'il y a du beau jeu, tu vois. Ouais, ouais. Et j'aime bien aussi les States. Je sais pas pourquoi ça j'aime bien. Tu vois, quand je... des fois, je mets la télé et au lieu de regarder les matchs européens, je vais regarder les matchs en Amérique. En MLS. Ouais. J'aime trop l'atmosphère, en fait, tu vois. Ouais, c'est un autre monde. Ouais. Ok. Donc la deuxième question, c'est... si tu pouvais revenir au Standard, que ferais-tu pour mieux réussir au club? Que ferais... Je jouerais de la façon dont je joue maintenant, tu vois. Mmh. Avant, je jouais... Avant, quand on t'a appris à jouer un football propre, tu vois. Ouais. T'es devenu comme ça, tu vois. Pour moi, le football, ça doit être propre. Mais... Le plus important dans le foot, c'est les stats, c'est les goals, c'est les passes, tu vois. Mmh. J'ai donné aussi beaucoup de passes décisives au Standard qui n'ont pas fini au fond, tu vois. Ouais. Mais est-ce que j'ai été assez décisif? Non, parce que les chiffres auraient prouvé le contraire, mais voilà. C'est tout ce que j'aurais pu faire de plus, je crois. Être décisif. Ouais, être plus décisif. Et c'est ce qu'on voit dans un grand club, tu vois. Mmh. Mais okay. Bon, voilà. Ok, pas de soucis. Donc, la question suivante, c'est une question de quelqu'un qui te connaît depuis plus de temps. Quels sont tes meilleurs moments vécus à l'Aterna? C'est qui a demandé ça? C'est Julien Créton. Ah, Créton! Comment il va lui d'ailleurs? Il va bien, il va bien. À l'Aterna? Les mini foot qu'on jouait en bas. On avait une salle, on jouait avec les. Il n'y avait pas d'âge. Tu étais là, tu joues. On jouait avec les. Moi, je suis un 96, tu vois. Bon, j'ai déjà été beaucoup surclassé dans ma vie, donc ça ne changeait pas grand chose, mais bon. Mm-hmm. C'était bien, tu vois. Il y avait les grands qui jouaient avec nous, les plus petits. C'était compétitif, tu vois. Là, il y avait toute la compétitivité d'un footballeur de haut niveau qui sortait, tu vois. Ouais. Et c'était comme au quartier, tu vois. Moi, j'étais loin de chez moi. Et chez moi, c'était plus au quartier. J'avais quitté mon quartier aussi. Donc, il n'y avait plus ces journées interminables qu'on faisait à l'Agora, etc., tu vois. Ouais, ouais. Donc, maintenant, le mini-foot, j'ai retrouvé un peu ça là-bas. Il y avait du niveau, tu vois. Donc, c'était bien. Il y avait qui comme nom? Il y avait Tom, Poto, Timothy Castagne. Créton là, il y avait une bonne semelle lui quand même à cette époque là. Ouais. Il y avait Diogo Ribeiro, Merveille Goublet, Ateba, Jordan Ateba, Benoît Brugman. Mm-hmm. Et puis après il y avait des joueurs de Virton. Mais du Standard, il y en avait encore 2-3, mais bon, je me souviens plus très bien. Il y a quand même du niveau, quoi. Ah ouais. Non, c'était bien. Ok. C'était bien. Ok, ok. Donc si tu devais... Donc c'est la même question qui a été posée à Stéphane. Si tu devais faire une équipe, quel serait ton 11 de rêve, si tu veux choisir n'importe quel joueur? N'importe quel joueur? Ouais. C'est vraiment exagéré, ça. Cool. Franchement, t'abuses, hein. C'est pas moi qui ai posé la question. Bon. Au goal. Ikerson. Ok. Azias. À droite. Dani Alves. Ok. Les deux centraux. Varane. Et
défenseur central gaucher qui est vraiment fort. Bah, tu peux dire un défenseur actuel, même si c'est deux droitiers, c'est pas grave. Non, Van Dijk, je vais pas. Van Dijk, je vais pas. Parce que c'est trop facile, toi. Bah, tu peux mettre Varane Ramos, puis. Varane Ramos, on a dit une équipe de foot, on a pas dit l'armée. Donc, récapitulons. Vas-y. Casillas. Dani Alves. Varane. De Ligt, il est pas gaucher lui. Je sais pas. Je sais pas te dire. Je connais pas bien les. Non, il est pas gaucher. Je crois pas. Parce que j'avais joué contre lui. Et moi, j'étais à gauche et c'est lui qui couvrait. Donc, je crois qu'il est droitier de base. Ouais, je crois qu'il est droitier. Il me faut un gaucher. Sinon tu passes et tu reviendras après. Ouais, je passe. À gauche. Roberto Carlos, j'aime beaucoup. Mais bon, je vais mettre son fils. Non. Parce que Carlos, est-ce qu'il défendait bien? Ouais, Carlos, il était vraiment chaud, hein. C'était physique en plus. Il y a Carlos ou bien Marcelo. Ouais, c'est. Purée, j'arrive pas à choisir. On va dire Carcelo. Carcelo. En 6. Moi, je joue avec Milan Triangle, point de passe. Mm-hmm. Ou bien non. Milan Triangle, mais. Un plus reculé, l'autre un peu plus haut et le 10 vraiment en soutien d'attaque. Ok. Donc le 6, je vais mettre Patrick Vieira. Costaud. Une bonne tour. Ouais. En 8, je vais mettre. Non. Moi, il me faut quelqu'un qui ratisse vraiment et il s'occupe que de ça. C'est un bon régulateur de jeu. Hein. Lui de là il contrôle bien. Mais est-ce qu'il défend aussi bien? Non, il est pas mal. Il est pas mal aussi quoi. C'est pas. Et après il y a peut-être mieux si tu veux vraiment ratisseur. Ou je sais pas trop. Kanté ou Makelele? Ouais, Makelele c'était quand même solide. Hein. Ou bah Kanté c'est ratisseur c'est quand même. Il court partout, donc ouais. Lui, il court partout, lui, hein, il court trop, lui, pardon. Makelele, Claude, on le met là, lui, vraiment, il va nettoyer tout ce qu'il faut. 6-8, vous me laissez pas le choix, hein. Il y a des sales joueurs, mais Iniesta et Xavi, là, je pense pas qu'il y ait eu mieux. Hein. Mm-hmm. En termes de paire, tu vois. Ouais. Parce que sinon, individuellement, tu peux mettre... Zidane, tu peux même mettre De Bruyne. Ouais, aussi. Ils ont pas le même niveau, hein. Ok, Zidane c'est une légende, De Bruyne c'est un putain de joueur. Mais en termes de duo, Xavi, Iniesta c'était. Oh. C'était quelque chose. Mais après, si tu me dis de tous les temps, tu peux commencer avec les légendes, les Maradona, tout ça là. Bah tout ce que tu veux, tu choisis, c'est toi qui choisis l'équipe. Vous commencez à exagérer. Hein. Bref, pour faire simple, on va dire... sinon j'ai commencé avec les Garincha, tout ça. Là. C'était des sorciers de ballon. Hein. Allez, Xavi, Iniesta. À gauche...
Vous abusez, hein. Donc maintenant, je dois choisir entre Ronaldinho, Neymar, Thierry Henry. Ouais. Choisis, bah, t'as. Ouais. Ton trio d'attaque, là, il te manque ton trio d'attaque et ton défenseur central gauche. Si je compte bien. Bon, regarde, j'enlève Makelele, je mets Xavi en 6, Iniesta à gauche. Enfin, dans le milieu un peu plus. Ouais. Et comment il s'appelle? Ronaldinho, on le met en 10. Pardon. Lui, c'est. C'est la magie du football, quoi. À gauche. À gauche, Thierry Henry. En 9. C'est chaud. R9. Et en 9, tu peux mettre tout le monde. Hein. Il y a trop de 9 qui savent comment jouer, qui comprennent le jeu, qui sentent le jeu. Mm. En 10, vous pouvez mettre Bergkamp. Non. Bon, en geste comme ça, Ronaldinho. En 9, je mets R9 parce que lui, même son. Tu vois, lui, avec le ballon, il est chaud. Mais sans ballon, c'est un des joueurs, tu sais qu'il va marquer, mais c'est oublié. Tu sais que c'est lui, tu sais que tu joues contre Ronaldo. Mm-hmm. Mais des fois il s'est oublié. Moi je comprends même pas comment c'est possible. Moi déjà qui joue en Belgique contre des équipes, elles me disent ouais, on sait qu'il y a toi et lui qui peut faire la différence. Et j'ai l'impression que j'ai toujours quelqu'un sur le dos. Mm-hmm. J'essaie de faire un mètre d'espace, etc. Mais Ronaldo, frère, bon après, il a des joueurs aussi autour de lui. Hein, tu vois, au Brésil, si c'est pas lui qui fait la différence, c'est quelqu'un d'autre, tu vois. Bref. Et à droite, tu pourrais mettre Messi, mais Messi, le truc c'est qu'il défend plus. Et il est un peu trop fort, je crois, pour l'osmose de mon équipe. Ouais. Tu vois, mm-hmm. Il y a trop de bons joueurs, mais c'est des joueurs qui peuvent jouer en équipe, tu vois. Ouais. Après lui, tout seul, il peut faire la diff. Et Ronaldo, je crois qu'il rentre plus dans un collectif. Messi. Du coup, pour l'instant. Du coup, tu mets. Mais je préfère. Mais quand je regarde les gens jouer, j'arrive même pas à choisir entre ces deux-là. Je vais pas dire de bêtises. Mais bon, pour mon équipe, je crois que c'est mieux de mettre Ronaldo. CR7 alors. Ouais. Et ton def central, gauche. Comment il s'appelle celui son père a joué à Milan et son fils aussi. Nesta, ouais, c'est possible, ouais. Je sais plus. Bon, du coup, ça fait un beau 11 quand même. Ouais, quand même. Je crois que j'ai respecté certains principes, donc l'équipe peut prendre, tu vois. Ouais, et si tu dois choisir un coach pour coacher cette équipe-là, tu prendrais qui? Ferreira. Non, je rigole. Yannick. Non, je rigole. Avec un peu plus d'expérience, Guardiola. Hein. Pep. Ouais. Mais en fait, lui, je sais pas si lui serait capable de. Parce que lui, il est venu, il a quand même viré Ronaldinho de son équipe. Hein. Mm-hmm. Donc, je sais pas. Hein. Non. Club, alors je crois. Tu regardes Club. Ok. Ouais. Ah, c'est pas mal. Ouais. Bah, du coup. Jurgen Club. Donc, la partie suivante, Benny, c'est ici. Donc, tu dois me donner 3 numéros de 1 à 15. Et ce sera des questions un peu imaginaires. Voilà, tu peux me donner le numéro. 9, 11 et 7. Ok, donc la question 9. Si tu avais un food truck, que vendrais-tu comme nourriture et comment appellerais-tu ton camion? Chez Oncle Ben.
Un food truc que je pourrais vendre. Ouais. Je sais pas. Des sandwichs. Sandwich, calme. Sandwich, c'est tout sandwich. Vas-y, sandwich pour que ce soit. Tu vois, j'ai une panel de choix un peu plus large. Parce que si je dis du chocolat, je pourrais pas, tu vois. Ouais, c'est vrai. Sandwich, je peux faire des durum, tu vois, routiers, comme vous dites. Sinon, on appelle ça des mitraillettes, ou tu vois. Tu veux vendre des frites aussi, tu mets des frites dedans, bien tu les gens à côté, tu vends des frites à côté, et après tu veux commencer à vendre des frites aussi, tu vois. Ok. Fast food, mon gars, nous, c'est la rue, nous. Dans le fast food, donc c'est bon. Ok. Donc la question numéro 11, c'est si tu devais participer à un programme de protection de témoins et choisir un nouveau nom et un nouveau prénom, que choisirais-tu? Pardon? Donc si, par exemple, tu devais changer de nom. Protection de témoin. Et c'est moi qui dois changer de nom. Ouais, imagine, tu dois choisir ton nouveau nom et ton nouveau prénom que tu choisis. Que choisis-tu pas? Oh. Mais Bad Banga, c'est feu. Je change. T'es fou ou quoi? Non, je rigole. Ça me ferait vraiment mal. Hein. Changer Bad Banga. Sans, c'est moi, tu vois, j'arriverai pas à changer. Mais bon, si c'est pour ma vie ou sauver ma famille, ma descendance, etc. J'ai jamais pensé à ça. Ok. Ah, ma soeur m'appelait Carter quand j'étais petit, donc je vais dire allez, Carter. Ouais. Carter, comment? Badi, vous allez pas accepter. C'est la même chose. Ouais, c'est un peu ça ressemble un peu trop. Oh là là, vous êtes vraiment des rabats, je vois. Allez. Je vais pas prendre le nom de Mago. Parce que sinon, protection témoin, ils accepteraient pas. Ouais. Carter. Ah, on va faire comme dans la série, là. Lion, voilà. Carter Lion. Voilà. American. Propre. Et je devrais changer même de nationalité, je pourrais plus être congolais. Non, tu pourrais garder la même nationalité, pardon. Nationalité, je suis belge, mais je veux dire, je pourrais garder mes origines congolaises, etc. Ouais, si tu peux. Non. Ça va. Bon, allez, on garde ça. Mais bon, ça va faire chelou, hein. Belgo congolais. Carter Lion, les gens vont me dire, ouais, c'est qui lui? C'est vrai. Donc, justement, la question numéro 7, c'est un peu rapport avec ça. C'est si tu devais camoufler un meurtre, comment procéderais-tu? Eh, doucement, moi je regarde trop de trucs chelous, hein. Arrêtez. Arrêtez, on va dire rien dans ma main qu'il fait pour des trucs, là, les gars, désolé, je vais pas répondre. T'es fou? On va venir me coller des faits ici. Non. Pas dans ça, moi. Ok, bon, je vais prendre une autre question alors. J'ai un enfant de Dieu. Si tu étais un scientifique fou, quelle machine aimerais-tu inventer? Non, jouer dans le temps, ce serait pas bien. On abîmerait notre monde. Déjà qu'il n'est pas fameux. Une machine qui soigne tout. Tu rentres dedans, tu ressors. Non, parce que. Il faut des gens qui meurent un peu quand même. Bah ouais, sinon il n'y a plus de place. Ouais, c'est vrai. De la nourriture à tout le monde. Ouais, c'est pas mal. Une machine qui donnerait de la nourriture à tout, en suffisance pour tout le monde, tu vois. Et on a déjà de la nourriture en suffisance pour tout le monde. Ouais. Et je sais pas comment on fait pour pas en donner à tout le monde. Ouais, c'est. Bref. Et inventer quelque chose qui ferait que tout le monde ait à manger, tu vois, au moins. La partie suivante, c'est des questions courtes et des réponses rapides. Donc tu dois me répondre en quelques mots. Ok. Donc quelle est la première chose que tu fais le matin? Je prie. Enfin, j'essaye de prier. Tous les matins, si je suis en retard. Ok.
Le dernier film ou la dernière série que tu as regardé? La Terre et le sang. Ok. Quel est ton plat préféré? Le sonamadesu, c'est du riz et des haricots. Avec la viande, après tu varies, hein. Poulet, spiringue, tu vois. Ok. Quelle est ta musique que tu écoutes pour le moment? Dior, le remix de Heidi Pizzle, c'est un artiste liégeois. Je vous conseille d'aller écouter. Ça va. On voit. Parfait. Est-ce que tu as une idole ou des idoles ou... Ici de l'autre personne. Non, mais imaginons, tu as une source d'inspiration plutôt. Tout le monde, hein. Moi ça peut être un pompier que je vois, un gamin qui se bat pour pouvoir jouer au foot, tu vois, moi c'est. Je m'inspire, tu vois, tout peut me, tu vois, peut m'inspirer, tu vois. Ok. Mais si tu me dis dans le sens où ouais, on me dit ouais Zidane il est de l'autre côté de la rue, va prendre une photo avec ou je sais pas, j'irai pas, tu vois. Ok. Ouais, je suis pas comme ça. Ouais, Okay. y a beaucoup de gens qui me comprennent pas, hein, mais Non, je sais mais pas pourquoi. pas Moi de soucis. ça me dit rien, tu vois. Pas de soucis. Quelle est ta prochaine destination de vacances, donc après le confinement? Je sais pas, mon frère, hein, on est déjà en train de me rabâcher les oreilles là-bas. Tu me poses des questions comme ça. C'est sûr qu'elle t'a pas entendu. Je sais pas, gros. On va voir après. D'abord, on trouve une solution pour l'année prochaine de ma carrière. Tu vois? Ouais. Et puis après, mais où j'aimerais aller? Ouais. J'aime bien la Thaïlande. Tu peux aussi boxer là-bas, ce serait super. Ouais. Et Cuba aussi, ça a l'air terrible. Tu vois? Ouais. J'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie d'aller en Thaïlande, Cuba, les States. Un petit tour du monde, quoi. Ouais, voilà. Parfait. Et puis chez moi, rentrer chez moi au Congo, tu vois, c'est même pas comme si, tu vois, enfin, pour moi, c'est, je dois le faire, tu vois, c'est un devoir, c'est, tu vois. On va y aller aussi, tu vois, si Okay. Dieu nous permet. Ouais, j'espère pour toi. Merci. Est-ce que tu as une compétition ou une coupe que tu rêves de gagner? Je rêve de gagner. Moi, j'ai pas cette notion de rêve. Tu vois, parce que pour moi, un rêve, c'est un côté inaccessible, tu vois. Ouais. Un côté, tu peux pas l'attraper, tu vois. J'ai des objectifs. Après, comme tout footballeur, ce serait un truc de fou de gagner la Coupe du Monde, tu vois. Donc la Coupe du Monde, ce serait ta coupe que tu aimerais gagner. Ouais. Mais après, moi, je commence pas un. Tu peux gagner dans un tournoi, tu peux gagner, tu vois. Ouais. Tu peux gagner. Si t'es bien préparé, t'as une bonne équipe, etc. Après, tu regardes avec ce que t'as, tu vois. Mais tu commences pas une compétition en disant, oh, je veux la perdre, tu vois. Ouais, d'office. Ouais, donc voilà. Tous les championnats ou les trucs auxquels je participe, j'essaie de faire mon mieux. Et puis, après, c'est à toi de te retrouver dans une situation ou dans une équipe qui joue le haut de tableau, tu vois. Pour l'instant, c'est pas. Enfin, je fais avec ce que j'ai, tu vois. Avec ce que j'ai fait, je suis en construction. Et puis arriver dans quelques années, peut-être que tu me reposeras la question et j'aurai un objectif à ce moment-là, tu vois. Ok. Par rapport à l'équipe où je me trouve, là je suis encore en train de me construire. Et je suis au bon endroit pour me construire, je trouve. Parfait. Quel est le dernier profil sur les réseaux que tu as regardé? Celui de ta marque, je crois. Enfin, le mien. Ou celui de ta marque. Celui de ma marque? Ouais. Ok, parfait, je le mettrai sur le côté de la vidéo. Est-ce que tu as un souhait pour la saison prochaine? Enfin, ou c'est pas de saison si, s'il y en a une, mais. Enfin, en tout cas pour la saison prochaine. Hein, m'épanouir, enfin trouver un bon projet, tu vois. Et dans un bon projet,
trouver une équipe où je me plairais, tu vois. Trouver une équipe, ça veut dire être dans une équipe où je me plairais, tu vois. Ça peut être aussi une équipe, une nouvelle équipe où, tu vois, chaque année, l'équipe, elle change ici en Belgique. Mm-hmm. Donc, dans un groupe où l'osmose est positive, tu vois, l'atmosphère est positive, et voilà, où on peut, où on pratique un beau football, et tu vois, que je sois concentré sur le football, tu vois. Il n'y a rien d'extra sportif qui me dérange. Ok. Et puis la santé, hein, comme tout le monde pour l'instant. Ouais. La santé. La santé, on va dire. Ok, parfait. Est-ce que tu as un mot pour terminer cette interview? Restez chez vous. Et restez actifs. Hein. Essayez de bouger un maximum possible, faire du sport, etc. Sinon, vous allez péter les plombs. Et voilà. Ceux qui ont des projets, ne croyez pas que c'est, cette période-là est, est inutile. Ça peut nous aider à nous préparer. Et puis voilà. Mmh. Prenez le côté positif de la chose. Et puis, c'est ensemble qu'on va s'en sortir. Donc, respectez les consignes. Ok, parfait. Devenez comme moi. Laissez-vous pas repousser tout ça. Il n'y a pas de coiffeur, rien du tout. La gosse. Ok, bah, grand merci pour cette interview. Et à la prochaine, Rémi. Salut. Merci à vous. J'espère que vous avez appris un peu plus sur moi. Parce que je sais que j'ai une image assez, assez froide. Mm-hmm. On va dire autre chose. Mais bon. C'est l'occasion d'un petit peu me connaître. Allez. Ciao, ciao. Ciao, ciao.